Yves Saint Laurent, dresses, scandals, and iconic women. The great French stylist has created a surprising number of outfits which mark the history of fashion. From 1962 to 2002, he presented two haute couture collections per year for his brand. Behind all these wonders are sketches. Yves Saint Laurent is one of the most formidable fashion artists. J'avais sûrement une question à vous poser, Yves Saint Laurent, mais je crois que je ne m'en souviens plus parce que je suis très occupée à regarder ce modèle. For the very first time, the Foundation Pierre Berger Yves Saint Laurent opens the heavy cupboards in which thousands of legendary sketches are kept. In fact, nobody has ever seen them. Je le découvre avec vous parce que je n'avais jamais vu ça. Moi, je ne les avais jamais vus de près. Je rêvais de voir les dessins de ça. Ah oui, là, c'est fou, c'est maîtrisé et affirmé. Il dessinait comme ça, très rapidement. On voyait le mouvement de la jupe, hein. Déjà. Quand il dessine une robe, on sait, rien qu'à voir le dessin, si c'est du velours ou de la soie. Ça, c'est rarissime. C'est inouï. Non, j'imaginais pas du tout ça, je savais pas. Fast, nervous, lively. Ben, il peut faire ça en 2 secondes. Chez Yves Saint Laurent, tout part du cou, de l'épaule, et c'est à partir de l'épaule que la silhouette se construit. Et ça, c'est la force du dessin d'Yves Saint Laurent, c'est-à-dire que c'est la vie même. C'est ça qui est formidable dans ses dessins. On la voit, la fille, tout de suite. Est-ce que vous savez combien de dessins il y a d'Yves Saint Laurent gardés ici, dans la Fondation? 200 000, 300 000, on ne sait pas. His first sketches as a child. Paper dolls. Sketches of dresses that are yet but ideas. Exercises in style. Gouache paintings for the music hall, the opera, and the theater. Yves Saint Laurent drew these extremely detailed charts himself, bearing precise witness to his work. You can see the silhouette, the sample of fabric pinned to the paper, the model's name, the order number during the show, the name of the premier d'atelier who supervised its tailoring. If we compile 40 years of plates of Yves Saint Laurent haute couture collections, this is what you get. The first ultra-modern collection, the tuxedos in 1965 and their hundreds of variations. The apparently simple Mondrian dresses, the extraordinary crochet babushka wedding gown, the transparencies that still fascinate us today, the hippie chic, the hats, the scarves, the jewels, the 1971 scandal collection reminiscent of the dreadful war years, the mythical Russian ballet collection, the tributes to painters Braque, Picasso, Bonnard, the spectacular capes, the impossible clashing colors, the jackets with thousands of hours of embroidery, the crepe pareo that seemed improvised, the surprises, the thousands of obsessions, thousands of marvels, thousands of dizzy spells, until his last collection in 2002. Yes, you will see the sketches of 100,000 of the most beautiful dresses in the world. Pierre Berger is Yves Saint Laurent's partner and the man who created and developed the Yves Saint Laurent brand. Ah, c'est son, ce qu'on appelle les paper dolls. Ah, pourquoi est-ce qu'on les manipule avec des gants blancs, Monsieur Berger? Les mains transportent, qu'on le veuille ou pas, lavées ou pas, des impuretés, des choses acides, et qu'on doit les manipuler avec soin. Parce que si vous ne faites pas ça, bien plus rapidement vous le croyez, vous ne retrouvez plus rien, tout est détruit. Alors moi, je vais les manipuler comme ça, mais il faut éviter de le faire. Yes, Pierre Berger is the only person to handle them without gloves. He's the boss. Olivier Saillard is a fashion historian. He has organized several exhibitions around the work of the great designer. Ah oui, ça c'est étonnant. Je dois savoir que ce sont les figurines qu'il découpait enfant et qu'il réhabillait comme on le fait à cet âge-là, moins quand on a un garçon, plus une fille, mais ce qui dénote déjà un goût très, très affirmé, affiché pour la mode. Monsieur Jean-Pierre was the famous premier d'atelier tailleur for Yves Saint Laurent. He was the one who made the house's famous shoulder pads and the tuxedos. Madame Catherine was the premier d'atelier frou for over 3 decades. She signed several legendary dresses.
Ça, je ne comprends pas comment ça se met. C'est étonnant. Mais ces dessins-là, on ne les connaissait pas du tout. Moi, je n'ai jamais vu ceux-là non plus. Du tout. Ah oui, regardez. C'est étonnant. Les chaussures de M. Vivier. Oui. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il avait découpé dans un journal une silhouette et puis il faisait des robes et il les accrochait. Hop. Voilà. Là, il y a une fourrure, et il y a un manteau. Voilà. Every Saturday in Oran, Yves Saint Laurent bought fashion magazines with his mother. The models he saw there are easily recognizable here. Model women, slender waists, sophisticated evening gowns, gloves, wide skirts, great coats, carefully designed ultra-femininity. He was 14 years old. On sentait déjà qu'il était doué, hein, parce que vraiment, ça c'est magnifique. Mm-hmm. Ça j'adore. Ça aussi, c'est quand même assez étonnant. Hein. On n'a jamais vu ici, on ne l'a jamais vu. C'est un privilège. Ce qui est surprenant, c'est quand même la précision. Hein. Il était à Oran, mais ce qui est formidable, c'est qu'il se soit monté une petite maison de couture. Il dessinait les programmes, il dessinait le nom des clients. Il s'était inventé toute une petite affaire commerciale, et ça, c'est formidable. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il veut travailler tout de suite, quoi. Bah oui, c'est pour ça qu'il est foutu le camp d'Oran, le plus vite possible. C'est du jeu et du travail, quoi. Oui. Et son travail restera un jeu et son... Non. Non. Non, 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 non. Parce que il était incapable, et il faut bien comprendre ça, de transiger sur la moindre des choses. Vous n'auriez pas fait céder sur rien. C'est la première collection. 69. Là, c'est identique. Vous parlez avant qu'il commence à faire ses dessins ou pas ? Qui ? Vous et Yves Saint Laurent. Je venais le voir dessiner. Parfois, vous ne lui donnez pas d'instructions ? Instructions à Yves Saint Laurent ? Here is the first Yves Saint Laurent collection under his own name, presented to the public on January 29, 1962 at 10:30 a.m. As you can see from the seating plan, Parisian fashion icon Vicomtesse Jacqueline de Ribes sat beside the editor-in-chief of Paris Match. Also present were the illustrator René Gouault, the choreographer Roland Petit, and his muse Zizi Jomert, the writers Françoise Giraud and Françoise Sagan. 101 models. Trouser suits, coats, simple dresses, more sophisticated outfits. Cocktail dresses, short evening dresses, long evening dresses, and a wedding gown. Here are the preparatory sketches of this first collection. Ah, ça c'est beau. Ça c'est joli. Ah oui, là c'est fou, c'est la première collection pour Saint Laurent, et là déjà, immédiatement, c'est absolument, je dirais, maîtrisé et affirmé. Le dos, là, est magnifique, il appartient un peu au monde des années 50. Ça, c'est étonnant, en effet. Si on devait s'attacher au dessin pour y lire les corps, au-delà du vêtement, on sait qu'il est des années 60. C'est plus tellement marqué sur la taille, il n'y a pas beaucoup de seins, les jambes sont très longues. En tout cas, je suis surpris de voir à quel point c'est déjà très simple. Laurence Benahim est Yves Saint Laurent's biographer. Ah, j'adore ça. Pourquoi ? Parce que je trouve ça extrêmement moderne, quoi, cette idée de, voilà, une vareuse, un pantalon de marquis, mais qui n'en est pas un. Il y a déjà une envie de vacances, de lumière, d'être bien. C'était porté par Fidelia, un mannequin noir. Premier mannequin noir dans une maison de couture. J'aime bien cette atmosphère. J'ai l'impression d'être dans un roman de Sagan, d'être Place Vauban, avec ces créatures.
là, c'est plus. C'est un corps androgyne. Celui-ci est plat, il n'y a plus de poitrine, il est droit, il est adolescent presque. C'est un bon souvenir pour vous, cette première collection ? Ben, c'est un des deux grands souvenirs, quoi. La première et la dernière. Jolie couleur, absolument merveilleusement imposante. C'est mes gants. Mais le chapeau, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, les boucles d'oreilles. Attendez, il faut qu'on fasse tout à la fois. Écoutez, c'est pas ce chapeau. Écoutez, vous avez voilà, c'est pas complètement ça. Bon, écoutez, vous avez vu mon histoire. Et ça, c'est quoi ? C'est un peu les essentiels. Donc, avec un bon smoking saharienne, des modèles un peu iconiques. C'est la Voie lactée Saint-Laurent, ça. Ah bah oui. Et comment ? C'est quoi votre réaction quand vous voyez le dessin la première fois de cette robe de mariée, babouchka ? Vous riez ? Non. Vous êtes surpris ? Non. Admiratif, oui. Surpris, non. J'ai vu que c'était un Mondrian tout de suite. Il y avait une forme d'évidence ? Ah oui. Avec Yves, c'était toujours évident. Tout le temps. Il se trompait pas. Ou s'il se trompait, il ne montrait pas. Il a fait des tentatives qui n'ont pas marché. Mais quand ça marchait, lorsque ça marchait, ça marchait. Moi, tiens, me voilà là. Ça rappelle une bonne époque, ça, tiens. C'est là que la maison est partie, à feu de Dieu, là. Cette collection, elle a eu un succès. Pfff, Mondrian. Connaissant le personnage, il fallait lui montrer les choses pas parfaites, hein, parce que... On sentait qu'il n'était pas question de lui montrer de l'à peu près. Hein. Ça ne passait pas. Mais il y a vraiment une stylisation au maximum du dessin. Je trouve que c'est un peu africain aussi, comme dessin. Surtout avec cette robe qui est seins nus. Et ça, c'est vraiment beau. Hein. Chez Saint-Laurent, c'est une forme très achevée du dessin. Il était sûr de lui quand il fait ces dessins-là ? Bah oui. Et s'il fallait choisir un dessin ? Ah, s'il fallait choisir un dessin... C'est horrible. Hein, c'est terrible, ce serait celui-là. Ça serait bien sûr le smoking, voilà. C'est le point d'orgue, c'est la ligne haute tension. On sent l'attitude, on a l'impression qu'on a envie de rencontrer cette personne. J'aime bien ces croquis pour ça. Ce qui est fou, c'est que ces vêtements, on les a tellement vus que on a l'impression que ces croquis ont presque été dessinés après, alors qu'ils ont été au départ de quelque chose, cette ceinture anneau, la fameuse saharienne. En fait, on a là les vêtements les plus copiés du monde. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont ces croquis qui ont été à la genèse. Voilà. Ce manteau pourrait exister chez Prada ou chez Zara. Celui-ci existe sans doute dans plein d'autres collections. Et c'est au-delà même de l'admiration que chacun entretient avec Saint-Laurent. Je trouve que c'est en cela que Saint-Laurent a été non seulement le couturier des femmes, mais le couturier des vêtements. C'est des croquis très facétieux, je crois, où on découvre un autre aspect de sa personnalité. La Vilaine Loulou is Yves Saint-Laurent's comic book. When he was bored, he took the vertical Bristol cards on which he designed his clothes and flip them horizontally to draw comic strips.
Vilaine Lulu de face, faisant de vilains gestes. La vilaine Lulu was even animated on French television. Lulu dormant. At first glance, it's cute and insolent. Yves Saint Laurent invented the character after having seen a colleague at Dior who put on a tutu to make the studio laugh at the end of the day. Lulu blouson noir. Lulu loukoum. Lulu momie. Vilaine Lulu de Saint-Phal. Là, c'est un très beau dessin. C'est un dessin vraiment Saint Laurent. C'est un dessin de BD et qui est personnel et qui ne doit rien à personne. Et là, on voit vraiment le talent de dessinateur de Yves. Il n'était peut-être pas un très bon dessinateur, dans le sens où il n'avait jamais appris de dessin. Il ne savait pas faire un raccourci, il ne savait pas faire une perspective. C'est pour ça qu'il a souvent eu des difficultés à faire des décors de théâtre. Et moi, j'ai beaucoup voulu qu'il prenne des cours de dessin pour avoir des bases du dessin. Mais il avait une chose, c'est l'attitude. Du mouvement extraordinaire. Alors là, c'est un mouvement aussi extraordinaire. Bon, il s'est beaucoup amusé. Je dessine le soir en rentrant de... En rentrant, quoi. Après une journée de travail, je me mets à ma distraction favorite. Je ne sais pas du tout ce que je vais y faire. Je commence à dessiner et l'histoire vient après. Et même... Je veux dire, je n'ai pas de... C'est très rare quand je fais un scénario. La vilaine Lulu s'étourdit dans les boîtes de nuit. Actually, the level of sadism of La vilaine Lulu is rather surprising. In one of her adventures, La vilaine Lulu gives rotten eggs to children, and the end is ruthless. Les enfants mangent, mangent, mangent. Lulu est heureuse. Les enfants ont mangé les œufs pourris. Ils sont tous morts. La vilaine Lulu est ivre de joie. À leur enterrement, elle saute de joie. Je n'affirmerai pas comme Flaubert, Madame Bovary, c'est moi, la vilaine Lulu, c'est moi. Non. Finalement, c'est un jugement que tu portes sur le monde à travers tout ça. Non, pas tellement. C'est simplement une question de lucidité. Oui, mais enfin, il n'y a rien qu'elle fait que tu désapprouves vraiment. Ah non, absolument pas. Je suis tout à fait d'accord avec elle. In this big box are the collection plates for the Haute Couture Summer 1967 collection. Yves Saint Laurent was 31 years old. Et moi, quand je regarde cette planche et que j'entends ces 67, je ne peux pas ne pas me dire que l'année suivante, ça soit 68. Et je ne peux pas ne pas voir que cette planche, s'il fallait la résumer par un nom, ça serait Liberté. Je vois des femmes allurées, avec des petits chapeaux, avec des robes courtes, au-dessus du genou largement, les cheveux au vent. Pour moi, c'est la liberté. Et la jeunesse. On voit là-dedans, si on regarde ça comme ça, que la jeunesse va prendre le pouvoir. Ben, là, c'est encore plus flagrant, avec ses shorts. C'est court, hein? En tout cas, c'est vraiment court, c'est jeune. Il y a quand même quelque chose de plus provocant. Le dessin du vêtement est de plus en plus essentiel. Ça, c'est très beau. Moi, j'adore quand les dessins ne sont pas finis. J'ai toujours pensé qu'en effet, ce côté très effilé du dessin était aussi contraint par les cases. Non seulement par le corps, mais par les cases.
Vous me mettez devant ces dessins que je n'ai pas revus depuis des années. Et je comprends. Je comprends pourquoi il est allé de succès en succès. Et quand je dis qu'il a été un général d'Empire et qu'il nous a conduits de victoire en victoire, c'est ce que je ressens là. C'est pas fait par un vieux grognard. C'est pas fait dans un type qui est enfermé dans une tour d'ivoire. C'est des saints, et c'est ça la force de Saint-Laurent, c'est fait par quelqu'un qui voit la rue, par quelqu'un qui voit les femmes de son époque, et par quelqu'un qui aime les femmes de son époque. On sait que le mec qui fait ça est un génie quand même, quand on le voit tous les jours, non? Et lui, il le sait aussi. Génie est un grand mot qu'il faut se garder d'employer. Vous savez que moi, je dis que la mode n'est pas un art et qu'il faut un artiste pour la créer. Et je vous laisse vous débrouiller avec cette ambiguïté-là. Here is the artwork of the 40s collection, a collection that in 1971 reminded journalists of the fashion of the 1940s, of the Second World War, which people were outraged to see taken up and celebrated. This was the biggest scandal of his career. C'est la collection 40, ça. Oui, c'est 71. Ça n'avait pas bien marché, ça. Ça, c'est ma préférée. Je sais pas pourquoi. J'avais fait un manteau en renard vert. Oui, c'est on voit la tête du. Mais il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas la tête. Non, c'était un ras-le-cou. Parce que quand même, entre le croquis et puis effectivement la réalité de la fin, il y a eu quand même des changements, hein, ce qui est normal. Ça vous vous rappelez? Oui, je me rappelle. J'ai dû la faire, celle-là. Elle était un peu vulgaire, la fille. Moi, j'aime beaucoup cette collection parce que je pense que dans une carrière d'un grand couturier, la forme affichée de mauvais goût, elle est aussi utile dans la mode. Mais je crois que c'est une collection qui n'a pas été comprise du tout. Non. Du tout, du tout, du tout. Parce que les gens se sont fiés à l'époque 40, pendant la guerre et tout ça, et que c'était absolument épouvantable de faire ça. Les articles des journaux, c'est quelque chose qui manque plus que les Allemands qui marchaient au pas, vous voyez. Et la presse a été très, très véhémente, hein, vraiment. On a appelé Yves Saint-Laurent Yves Saint-Hideux, on l'a vraiment traité de tous les noms. Like in 45, the war days, Saint Laurent's sad reminder of Nazi days. Women will be in summer 45, Yves Saint Laurent's World War II floozy look. The press attacked Yves for his sinister return to the Nazi era. The scandal is stimulating to Saint Laurent, a real scandal, total incomprehension. Lui n'a pas du tout, comment je veux dire, n'a pas pensé à ça d'ailleurs. Lui, ce qu'il aimait beaucoup, c'est le côté épaulé de l'époque. Parce que c'était très épaulé, d'ailleurs. C'est comme ça qu'il a affirmé son style Saint-Laurent dans les tailleurs. Et puis, il y avait un côté, effectivement, un peu outrancier. Il revient à la vision de sa mère lorsqu'elle s'habillait le soir à Oran. Donc, c'est les petites femmes d'Oran, mais qui sont devenues les femmes de Paris. Mais vous croyez que c'est de la provoque, à l'époque? Je pense pas qu'il a fait ça dans cette intention-là. Je sais pas avec lui, on sait jamais. Hein. Je sais pas. Il y a rien de savoir qu'on n'aime pas, ben il le fait quand même. Oui, parce que c'est vrai que ça a été très critiqué, et puis la saison a été... Bâclée, quoi. Moyenne, quoi, oui, moyenne. On a travaillé quand même un peu. Mais il fallait effectivement, à l'époque, avoir les reins solides pour pouvoir continuer, quoi, c'est vrai. Après 71, quand il y a eu beaucoup moins de ventes, vous ne lui avez pas dit « calme-toi ». Qu'est-ce que vous voulez dire, il y a eu moins de ventes en 71? Ça a été moins vendu, non? Mais vous croyez ce qu'on dit dans la presse? Il faut vous faire donner les livres des ventes, ici, ils sont là. D'accord. Et à votre disposition. Et spécialement 71, si vous voulez. Let's go, then. 71, c'est là. In the order book of the 1971 scandal collection, evocative names can be found. Princesses living at the Ritz, Yves Saint Laurent's mother, the Baroness Marie-Hélène de Rothschild, Charlotte Ayot, Hélène Rochas, Madame Bettencourt, the sculptor Claude Lalanne, whose two outfits were given to her. Catherine Deneuve bought hers in several installments. Vicomtesse Jacqueline de Ribes bought just a flower, but Mick Jagger bought two shirts and some gloves. Donc c'est une collection qui s'est quand même assez vendue. Regardez ce qu'il y a écrit.
Ah oui. Jean-Pierre Catherine, voilà. Souvent travaillé ensemble. Là, on est dans des smokings. Alors, qui a fait quoi? J'ai fait la veste et Catherine a fait la jupe et puis le petit haut qui allait dessous. Moi, j'adorerais faire ça. It turns out that my first film shoot in an haute couture workshop was in a Saint Laurent workshop in 2000. It was Monsieur Jean-Pierre's atelier tailleur, and yes, he loved his boss's trouser suits unconditionally. Pour moi, c'est formidable. Ça, je trouve ça très intéressant. Ça, c'est formidable. C'est formidable. Ça, c'était très amusant. Ça, je trouve ça superbe. Et ça, je trouve ça formidable. J'ai adoré tous ces croquis. Et puis, c'était tout à fait beau, le smoking. Ouais. On savait que c'était chez Jean-Pierre. J'adorais faire ça. On a très peur, quelque part, de trahir ce coup de crayon. Parce que souvent, ça m'est arrivé d'avoir un croquis comme ça qui me fascinait et d'être pendant un jour ou deux, d'y réfléchir avant de l'interpréter en toile. C'était important d'être au millimètre près. Il le voyait d'ailleurs, je vais vous dire, c'était un peu comme un examen. Quand vous lui montriez la toile, vous lui donnez le croquis, et regardez le croquis et regardez si vous avez bien... Oui, quand il vous disait « regardez le croquis », on dit « ça y est, on n'est pas dans le coup ». Puis il voulait que ça soit comme son croquis. Donc il fallait, comme on dit maintenant, il ne fallait pas se planter. On voit sur son croquis qu'il a fait effectivement les revers plus sombres. Alors nous, on prend du fusain, on va dessiner comme ça pour lui faire l'effet d'un revers qui sera certainement, d'ailleurs, qui a été en satin noir. Puis c'est toujours prêt avant moi, Jean-Pierre. Alors, on s'engueulait. Oh, puis ça passait vite, hein. C'était à vous de savoir décoder son coup de crayon, je veux dire. Où il avait mis la souplesse, d'ailleurs, on le voit. Où la pose, d'ailleurs, déjà, la main dans la poche, tout ça. Les proportions. C'est quoi la souplesse? Vous la voyez où, là? Ben, à la taille. Paul Monnery worked for a very long time in Yves Saint Laurent's studio. She annotated the sketches and pinned the samples of fabric attributed to them. Là, le petit coup de crayon comme ça qui indique un léger pli à la taille, ça veut dire qu'il y a une souplesse là. Et ça a l'air anodin et comme ça, mais en fait, quand il y avait les essayages, il pouvait appeler le chef d'atelier à l'essayage de la toile en disant, regardez là, là il y a quand même, il y a une souplesse là. Saint Laurent's great classic is the tuxedo. Toutes, elles achetaient en premier un smoking parce que c'était un bon investissement. Une base parfaite. Pour voyager, c'est parfait. Elles se faisaient pantalons, quelquefois des jupes courtes ou longues, si bien qu'avec une veste, elles pouvaient faire trois ensembles. Ça coûtait combien, un smoking? Ça valait peut-être le prix d'une voiture de luxe de l'époque, hein. Peut-être d'une Mercedes ou des choses comme ça, hein. La vraie robe du soir chic, c'est le smoking pour femmes, c'est pas autre chose. Plus que jamais aujourd'hui, je trouve, où on voit à nouveau beaucoup de comédiennes, d'actrices en robe du soir, mais qui ressemblent un peu à des vases. Nues sous un costume masculin quand on est une femme, je trouve que c'est beaucoup plus féminin, quoi. Outside the infernal cycle of collections, Yves Saint Laurent also made more serious costumes for the stage. Ah ben ça, je connais ça très bien, puisque c'est moi qui l'ai fait faire. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que c'était moi qui étais l'ami de Roland Petit, et Zizi Jomère, et il m'explique qu'il voulait faire un ballet, etc. Et Roland me dit, tu sais, ça serait formidable s'il voulait faire des costumes. Ah, celui-là, il est épique. C'est la guerre dans Cyrano de Bergerac. Eh ben, c'est merveilleux, ça. For the stage, he lets loose. He overdoes it. He exaggerates. He embodies surrealism. It's a creative escape. And when Yves Saint Laurent makes costumes for the Casino de Paris, they're insane. Elie Topp worked in the studio with Yves Saint Laurent as an intern, then as an assistant in the last years of his activity. Ce sont des costumes de musical des années 70. Alors ça, c'est assez émouvant parce que j'ai jamais vu ces dessins-là. Oh là là, une merveille.
Il y a une vraie différence entre le croquis de mode et les croquis qui sont d'ailleurs des gouaches pour le théâtre et ici pour le music-hall. On sent bien sûr cette façon aussi de faire entrer le décor dans la robe à travers ces arabesques rouges et or, ce côté carrosse d'or, ces lustres, ces pampilles. Ça, je crois que c'est ce que vous portez le week-end, c'est ça, Laurence ? Since his teenage years, Yves Saint Laurent was obsessed with Roland Petit's choreographies. Vous êtes très gentil. D'abord en me disant que les premiers dessins que vous avez montrés étaient très jolis. Je suis sûr que si on les revoyait maintenant, ils ne nous plairaient pas du tout. Non, ils étaient jolis, ils étaient très jolis, mais ils étaient. Ils avaient été faits dans une telle angoisse parce que j'aimerais tellement m'intégrer complètement dans le théâtre, n'est-ce pas, travailler uniquement pour le théâtre, alors que je le fais finalement en amateur. Zizi Jeanmaire was the partner and star of Roland Petit. Yves Saint Laurent literally redesigned her for several shows, which were so successful that they were broadcast on television in France and Germany. Là, c'est magnifique parce que c'est Zizi Jeanmaire. Et Zizi Jeanmaire, elle dira, comme beaucoup d'autres femmes, elle dira, il m'a dessiné, il m'a vu comme ça. Il a dessiné son maquillage, il a dessiné ses cheveux. Il lui a inventé sa silhouette. Ça va? Mon œil, il est bien? Oui. Bon, allons-y. Qui a eu l'idée des plumes? C'est tout ça, c'est lui. Et on ne peut pas penser à Zizi Jeanmaire autrement qu'à travers ce truc en plumes de Saint Laurent. Ce rose. Et ce rose, merveilleux, ce rose et noir de Yves Saint Laurent. Ça, c'est un dessin super célèbre. Tout est extrêmement léger, c'est une folie pure. Elle fait qu'un en plus avec les plumes elles-mêmes. C'est des émulsions de vêtements plus que des vêtements. Et accompagné par des hommes qui sont travestis d'ailleurs. Oui, en autruche. C'est assez amusant de voir la fantaisie d'une tête qui devient un cou immense encore. With Music Hall came the opportunity to draw phantasmic men. Yves Saint Laurent dared, he sexualized, and his sketches for shows brimmed with minotaurs, sexy sphinxes, handsome dancers. Variations on the ballet tights, diabolical briefs, dromedaries, masked lovers, legionnaires, thigh boots, chains, bottoms freed from trousers and coats of arms, sheaths, well-positioned drop beads, watermelon bottoms, languid orientalism, King Kongs. On est plus Tarzan sexy, j'avais jamais vu ça non plus. Hein. Ça, les garçons, ces dessins de garçons sont très inspirés par ceux de Jean Cocteau dans le Livre blanc. C'est vrai qu'il y a un truc érotique là. Ouais, bien sûr. He also did a few rare men's fashion sketches when he was about to launch his men's prêt-à-porter collection, which remained buried in the treasure. Ah, mais à un moment donné, il a voulu faire une collection pour hommes, et c'est vrai que les croquis étaient absolument étonnants, hein. J'aime bien la ceinture de pantalon. Ouais, ouais. Les corps et le gars, là. Ils sont beaux, les garçons. Ouais. Ils sont pas maigres, hein, les garçons. Ils sont... Non, dedans, oui. Regarde l'expression, là. Ah oui. C'est formidable, hein. On dirait que c'est lui. Là, il est barbu, on dirait un peu lui, en 71. Oui, oui, oui. Le dessin commence toujours par le visage. C'est très difficile à faire ça. De commencer par un détail comme ça, le dessin fil comme ça, très fil de fer. Et après, paf, 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 paf. Il gommait pas. Hein.
C'est pas le genre à revenir et tout ça. Il préférait carrément prendre une autre page et tout ça. Mais souvent... Ah oui, il y avait tous ces dessins de garçons formidables. Pourquoi c'est brûlé? Je sais pas, il a peut-être fumé. Il fumait beaucoup, Monsieur Saint-Laurent. On fumait tous, d'ailleurs. La collection russe. Ah, la collection russe. Eh bien, la collection russe est une collection qui a eu un énorme succès, une énorme influence. Ben, il avait ça dans un avion, voilà. Ça veut dire quoi, qu'il dessinait partout? Bah oui, bien sûr qu'il dessinait partout. The Russian ballets in 1977 are an avalanche of multicolored felt-tip pen sketches that are extremely precise with technical indications at the back for the workshops. C'est d'une précision diabolique, quoi. Il y en a des paquets. Oh. Et celle-là, c'est qu'une sélection. Oh. Over 1,000 sketches, as if Saint Laurent could not stop, as if he clung to his fashion like a lifeline, a masterpiece. Il y en a une quantité phénoménale. Il venait avec 250, 300 dessins. Ah ouais, la collection russe, c'est quelque chose. En fait, c'est assez unique de se renouveler autant quand même. Jamais il n'a dessiné en couleur une collection. Celle-là, il l'a dessinée en couleur et il a été fidèle à ses couleurs. Ça l'épatait lui-même. Quand on voit ces dessins, il y a une telle précision que c'est quand même assez étonnant d'avoir fait ça. Parce que jamais il faisait ça. Parce que ce qui est vertigineux là aussi, c'est que tous les détails, toutes les couleurs, toutes les broderies. Ça aussi, c'est incroyable puisqu'on a l'impression que ces étoiles se mettent à danser. Yves Saint-Laurent a dit un jour, je ne sais pas si c'est la plus belle, mais en tout cas, c'est ma préférée. Il me semble que cette collection est créée dans des affres. Il ne va pas très bien à ce moment-là. Comme il n'allait jamais très bien. Parce que les dessins contredisent l'idée qu'il n'aille pas très bien. Vous trouvez que c'est un dessin qui contredit cette idée? Oui. Oui. Par sa multitude et par sa virtuosité, ses couleurs. Ça, c'est magnifique. C'est une collection qui, je crois, a été dessinée dans des conditions assez difficiles. Il était souffrant à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il était souffrant, ça veut dire quoi? Je crois qu'il n'était pas dans... Je pense qu'il n'était pas présent tout le temps. Mais c'est un moment de dépression ou c'est un moment de drogue? C'est quoi? On ne sait pas exactement à cette époque-là. Peut-être dépressif. Ça peut être dépression, parce qu'il était très dépressif, hein, de toute manière. Et c'est vrai qu'il n'était pas peut-être dans sa meilleure forme. Et je trouve que c'est une des meilleures collections qu'il ait faites, en plus. C'est ça qui est incroyable. Ah, ça, c'est un travail sur opium. Voilà, qui est un travail sur opium. Travail sur opium. Un travail sur opium. Mais ça, c'est pas un nom de parfum. Comment? C'est impossible d'appeler un parfum opium. Bah, la preuve, c'est que ça s'est fait. Ça marchera jamais. Ah, que vous croyez. In 1977, Yves Saint Laurent launched the opium perfume. This was the first time a perfume was this concentrated, this expensive. It was forbidden in several countries. The scandal was concrete and nothing was left to chance. Dingue. C'est dingue, c'est... Par contre, j'ai jamais vu ça. C'est lui qui avait dessiné ça? He designed the bottle in a Chinese type shape. Sole conductor of the advertising visual, he designed in extreme detail the outfit, hairstyle, and even the pose of model Jerry Hall.
C'est une description d'opium. Si j'ai choisi opium comme nom de ce parfum, c'est que j'ai espéré intensément qu'il pouvait, à travers toutes ces puissances incandescentes, libérer les fluides divins, les ondes magnétiques, les accroche-cœurs et les charmes de la séduction qui font naître l'amour fou, le coup de foudre, l'extase fatale lorsqu'un homme et une femme se regardent pour la première fois. Oh là 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 là. Saint Laurent had such a totally holistic concept of marketing that he wrote the toxic text of the press release himself. Et après avoir brisé, s'en éloigne et rejoigne les bords fantastiques et lointains du rêve et de ses mille interprétations. Il a vécu ce qu'il raconte, je crois. Opium, pour celle qui s'adonne à Yves Saint Laurent. Opium was instantly number one in sales. Je me souviens très bien de ces dessins. C'est moi qui écris là, le numéro et puis le nom de l'atelier. Ça, c'est Monsieur Saint Laurent qui a écrit ça. Et quand j'avais dit à mon frère que je prenais les croquis, que je lui disais, je touche les dessins de Monsieur Saint Laurent et j'ai peint le même un morceau d'échantillon dessus et j'ai écrit dessus. Il m'a dit, mais t'es malade, on n'écrit pas sur des dessins. Faut jamais toucher, ben, mettre une aiguille et tout ça, c'est une hérésie totale. Quand je pense tout ce que j'ai écrit sur les trucs. Mais des beaux dessins comme ça, je mettais pas les échantillons dessus, vous avez remarqué. Respect. Ça, c'est pas épinglé. Pour moi, ce n'est pas ma collection préférée. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous plaît moins ? Parce que je trouve que Saint Laurent sacrifie à la mode. C'est moins Saint Laurent. L'idée de ses grandes épaules. Je comprends ce qu'il a voulu faire. C'est une idée qui va plaire à beaucoup de gens. C'est une idée de donner du pouvoir aux femmes. Enfin, c'est un goût personnel. Mais je vous ai dit que je dirais ce que je pense. Vous le lui dites quand vous la voyez ? Non. Non. Pourquoi vous ne lui dites pas ? Mais parce que ça ne changera rien. Mais il comprendra tout seul puisqu'il n'y est pas beaucoup revenu. Si on fait du contexte, si je me souviens bien, c'est quand la croix est arrivée. Hein. Alors lui, il a fait ça, quoi. En fait. Il tape sur la table en disant c'est qui le patron ? J'imagine. Oui, il y avait un petit côté, c'est moi le maître, quand même. And as he hit the table with his fist, Yves Saint Laurent managed to pull it off, and that day, the world's press was dazzled by the shock of colors and the incredible luxury of the embroidery. This was unheard of. French television news opened on his show. Madame, monsieur, bonsoir. L'événement du jour n'est ni un fait divers, ni politique, ni sportif, il est artistique. Yves Saint Laurent est un grand couturier. La collection automne-hiver 88 qu'il a présentée aujourd'hui même a époustouflé véritablement les spectateurs. Combien de temps mettez-vous à créer ? Trois semaines. Et là, je souffre terriblement parce que je ne sais pas. J'hésite, je cherche. Et puis tout d'un coup, ça arrive comme un miracle. Alors là, et c'est très beau ça, là, il y a un autre emprunt des peintres, ça c'est Bonnard, mais il en a fait tellement, depuis Mondrian, depuis l'art africain, Matisse, Braque, Picasso, Mondrian, Matisse, Picasso, Braque. Oh, ça c'est moi ça, le dessin de la guitare. Dans la boîte, vous voyez la guitare là ? Oui. Monsieur Saint Laurent m'a donné un croquis. Et à l'atelier, on a pris un carton et on a dessiné la guitare. Ah, d'accord. Et je l'ai présenté à M. Saint Laurent comme ça, il ne l'a pas touché. Ah, c'est bien. Je trouve que quand il mélange ses couleurs, c'est comme un peintre, vous savez. Oui, il a sa palette, alors il a tous ses tissus et il mélange ça, ça, ça. Même des choses que vous n'auriez même pas pensé. Oui, quand on va sortir, je ne vais pas mélanger ça quand même. C'est toujours incroyable. Et il a fait beaucoup de choses de couleurs, même comme ça, assez prononcées, je veux dire. C'est quoi ça ? Dernière collection. Dans la dernière collection, qui
présenté à Pompidou, Beaubourg, en 2002. C'était une rétrospective. Donc ça, ce sont ses derniers dessins? Oui. We are gazing at Yves Saint Laurent's last fashion sketches. They only appear to be simple. These dresses seem obvious, but they are among the most technical of his career, a real challenge for the workshops. Les robes comme ça sont les choses les plus difficiles à réaliser. Et ça, je veux dire, tout le monde ne savait pas le faire. C'est juste un pareo de crêpe qui devient une robe du soir. En fait, elles avaient l'air totalement nouées et drapées, comme si tu avais pris ton kilomètre de mousseline et que tu avais accroché deux épingles à nourrice. Comme ça, une chose super naturelle. Pour garder cet aspect de corps nu sous un tissu tellement léger, il y avait toute une structure sous le vêtement qui fait que tout le tissu était accroché sur un vêtement. Vous pouviez danser toute la nuit, la fille, elle n'avait pas un truc qui pendait, quoi. Elle tenait. Mais pour garder la liberté, la nature du corps de cette fille, elle découpait les seins, le tissu qui faisait la structure du vêtement. Donc les seins étaient naturels. Quand il y avait la mousseline dessus, c'était comme des seins nus. Enfin, c'était des seins nus. Ce que lui, je pense qu'il demandait, c'est que ça ait l'air naturel. Après, c'est leur problème, d'une certaine manière. C'est comme une sorte de conversation silencieuse avec ses ateliers. Comme des gens qui... des vieux couples qui dînent l'un à côté de l'autre et ils n'ont plus besoin de trop de se parler. Ils se comprennent. Ils se comprennent d'un trait. J'avais oublié qu'il avait commencé quelques dessins. Celui-là n'a pas été exécuté? Si, si. Il a dû exécuter puisque c'est la fiche d'atelier, le nom du premier atelier, etc. Ce qui est étonnant, c'est la similarité entre ces dessins-là et ceux de 62. C'est ce que je regarde. Oui. Vous pensez qu'il a fait qu'un seul dessin toute sa vie? Ah oui. Ah oui. But let's go back to 1950 with one of Yves Saint Laurent's notebooks, which had remained unseen, lost within the archives. De quoi s'agit-il? Je le découvre avec vous parce que j'avais jamais vu ça. Ah, l'amour. Jamais vu ça. Ça, je sais même pas ce que c'est. Il s'agit d'un petit livre de 1950. Et comme il est né en 36, donc il avait 14 ans. L'amour. Yves Mathieu Saint-Laurent, illustration d'Yves Mathieu Saint-Laurent, 1950. C'est incroyable. C'est un petit cahier d'illustrations et de poèmes. Il s'agit d'une femme alanguie, allongée, et très jolie. C'est incroyable. C'est déjà très, très... enlevé. Il y a toujours des cœurs partout. Des petits cœurs partout. L'amour est laid. Qu'importe qui tu aimes, il restera toujours le même. Demain, hier, aujourd'hui, d'abord il est trompeur, traître, moqueur, dupeur. Ensuite, il devient cruel, brutal, passionnel. Puis, après, il tue. Vision déjà assez étrange. Hein? C'est coquin, même un peu. Il y a une idée de la sensualité, en tout cas, et de la sexualité qui est déjà très forte. Les femmes sont beaucoup nues, hein? Vraiment. Là, c'est un petit cahier à 14 ans. C'est très sympathique d'avoir fait ça à 14 ans. Ça, c'est ce qui me touche le plus, parce que des talons à la voilette, en forme de cœur, des bijoux, des strass, à cette nudité qu'il va finalement habiller, ben, tout est là. C'est lui qui se dessine, là. Ben oui. En même temps, dans ce buste velu, il y a quand même déjà un Y. Il y a quelque chose qui est de l'ordre plus du graphisme que d'une ode à la virilité.
Saint Laurent que vous avez connu qui a fait ça? Oh oui. Il y a une progression, il parle en même temps de la gloire qu'il va connaître en devenant à 21 ans le plus jeune couturier du monde. Et puis il y a ce silence de la gloire et ce silence de la solitude qu'il explique très bien ici. Mais qu'as-tu depuis quelque temps? Je te trouve changé, tu es blanc. Serais-tu malade? Que tu es pâle? Qu'as-tu? Ah, je vois, monsieur en a assez. Cesse donc cette vie si laide. Qui est-il à 14 ans? Il habite à Oran. À 14 ans, c'est un jeune homme qui fréquente le lycée La Mauricière, où il dira avoir été très malheureux. Ça sent une forme de solitude, je trouve. De solitude grave. C'est la définition d'un bon créateur, parfois, non? Ah oui, sans doute, ça donne souvent de bons créateurs, ça. On a l'impression qu'il a dessiné sa vie avant de la vivre. Je pense qu'il a fait une œuvre formidable, jusqu'en 2002 inclus. Il a tout dit. Tout dit, les passages masculin-féminin et Mondrian et des histoires avec d'autres peintres, smoking, tout ça. Tout était fait. C'est pour ça que c'est extraordinaire. Saint-Laurent, c'est qu'il avait posé les bases de toute l'industrie de la mode d'aujourd'hui. Mais avec une urgence, grande urgence. Et il avait prévu tout, il avait tout dit. Yves Saint Laurent died in Paris on June 1st, 2008. His dresses continue to be displayed everywhere, copied throughout the world. Two museums are dedicated to him, one in Paris, the other in Marrakech. The brand he created with Pierre Berger persists in prêt-à-porter and accessories. His name is a real empire of perfume and cosmetics. After his last show in 2002, Yves Saint Laurent did not pick up a pencil and never drew another dress. To this day, the foundation Pierre Berger Yves Saint Laurent has not finished taking stock of all his sketches.